Nous sommes toujours en direct de Bruxelles pour le projet sur la compil Lady Studge Volume 3. J'aimerais vous présenter quelqu'un que c'est un des premiers DJ belges que j'ai rencontré. Présente-toi, explique-nous ce que tu fais. Moi c'est DJ Indy, je fais partie de l'AMP. Moi j'ai un parcours un petit peu particulier parce que je suis arrivé dans le DJing par le turntablisme. C'est comme ça que j'ai commencé, par les championnats DMC et tout. Qu'est-ce ça. Qu'est-ce que tu as remporté? Ben, j'ai remporté plusieurs fois le DMC Belgique, DMC Benelux. J'ai été quatrième au championnat du monde en individuel, deuxième en équipe. Voilà, ça c'est pour les titres les plus importants. Donc c'est vraiment de là que je suis parti. Et puis c'est au contact d'autres DJ de la team comme DJ Man. Je me suis vraiment lancé dans les mixtapes et soirées. Okay. Mais on va dire qu'au départ, mon plaisir, c'était vraiment ça, c'était le scratch et le DJing. Ok, aujourd'hui, tu fais aussi des soirées Ouais, aujourd'hui, j'ai fait mon premier championnat en 2000, donc ça fait j'ai arrêté en 2009. D'accord. J'ai voulu arrêter sur une touche positive. Je continue à m'entraîner, mais c'est vrai que maintenant, les soirées ont pris un peu le dessus. Donc, j'essaie de tourner un maximum, que ce soit en Belgique, à l'étranger. D'accord. Et si je te dis de Paris à Bruxelles, ça te fait penser à quoi? J'aimerais aussi que tu développes ce que toi tu fais, parce que en échangeant avec les autres pays, déjà parle-nous de la France et après tu nous expliqueras aussi ton concept network. Ouais, moi déjà la France c'est un pays qui me parle, j'ai vécu 3 ans à Nantes moi, donc ouais. Voilà, c'est quelque chose que les gens savent pas, mais j'ai voyagé avec mes parents, donc j'ai l'occasion de travailler avec pas mal de DJ français, parce que dans le cadre du DJing, je faisais partie d'une team française qui s'appelle la Guild. Okay. Donc qui était championne de France par équipe. J'étais beaucoup en contact avec des DJ français par le biais du DMC et tout ça. Et puis oui, clairement après avec les soirées, les sites internet et tout ça, on est en contact avec pas mal de Français. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ces dernières années, il y a de plus en plus d'échanges et de collabos entre la France et la Belgique. Et je suis pour. D'accord. Et donc, si je te dis Lady Studge, ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'une fille peut apporter dans le domaine artistique ou Moi j'ai toujours été un admirateur des filles DJ, parce que faut le dire quand même, tous les DJ craquent un peu sur les filles qui sur les filles qui mixent. C'est en partie une légende, mais en partie vrai. Moi ce que j'aime beaucoup chez des gens comme par exemple Shorty, qui est une DJ, une américaine, j'adore. Ou même toi, c'est que j'aime beaucoup les filles qui sont très dynamiques dans leur façon de jouer, qui arrivent avec des trucs vraiment punch. En général, on reproche un peu aux filles de jouer sur l'image ou d'être un petit peu trop linéaire dans les mix. Bon, après, il y a beaucoup de préjugés, c'est sûr. Mais moi, j'aime bien les filles qui osent y aller, qui osent envoyer. Donc, D'accord. J'encourage ça. Ok. Et qu'est-ce que tu fais par rapport à la mixtape Lady Studge Volume 3? Explique-nous un peu, on en a parlé déjà, mais l'interlude, qu'est-ce que toi tu vas apporter comme touche dans cette interlude et cette outro? C'est une interlude où je me sens assez bien parce que tu m'as donné un peu la carte blanche, tu vois, tout en m'aiguillant légèrement. Moi, c'est un truc que j'aime bien parce que j'aime bien qu'on me projette dans un univers et après qu'on me dise vas-y, carte blanche. En plus, on se connaît bien, on a déjà pu travailler ensemble sur Network, sur justement. Network, ouais. Moi ce que je vois c'est un mélange de trucs club avec une petite partie technique parce que c'est ma technique, touche à moi. Comme dans MP c'est un peu moi qui vais coordonner ce projet là, donc je vais un peu les aiguiller. Moi j'ai déjà un petit peu ma vision sur le truc. D'accord. On va bosser avec Odyssée aussi, je pense qu'il y a un pur beatmaker, donc je vais aller lui voler un petit beat. D'accord. Et puis après on va travailler ça, bien pour faire un truc qui nous ressemble, qui soit carré. Ok, voilà. Si tu peux nous rappeler tes liens, site internet. Alors moi je vais vous renvoyer sur un seul site, c'est DJ TV, c'est un site que j'ai lancé il y a 3 ans maintenant, sur lequel on retrouve des vidéos de plein de DJ. Il y a un onglet DJ Indie, donc vous ne pouvez pas le rater, vous arrivez sur le site, c'est sur la gauche, il y a toutes mes vidéos. Donc allez faire un tour et puis checker tous les DJ, il y a pas mal de trucs sympas. Super, on se donne rendez-vous toujours le 21 juin, la compil Lady Studge Volume 3 avec toute la MP Family, des invités belges, des invités français. www.mi7.com. On se voit bientôt.